S'il y a bien un club en France qui a vraiment, vraiment du mal à se trouver un bon, un bon coach, c'est bien l'OM, les gars. L'OM a énormément de mal à se trouver enfin un bon entraîneur. Depuis peut-être Bielsa, il n'y a pas un entraîneur qui a fait l'unanimité à l'OM. Peut-être le passage de qui était pas qui était pas mauvais. Il y a aussi le passage de de Villas Boas qui était peut-être mi Miraisin. Première saison, il était, en, il était en réussite totale. Et sur la deuxième saison, on a très vite vu ses limites. Donc aujourd'hui, c'est sûr et certain que la question de, du nouvel entraîneur de l'OM, c'est normal qu'elle fasse beaucoup parler. C'est sûr et certain. Et justement, aujourd'hui, on va s'intéresser à deux noms qui ne font pas beaucoup parler du côté de la direction marseillaise, mais qui veulent absolument entraîner cette, cette équipe de l'Olympique de Marseille. Et ça, c'est bien sûr Belmadi et Habib Bey. Habib Bey, c'est même pas un secret, ça fait des années qu'il qu le, qu le crie haut et fort sur tous les toits, qu'il veut entraîner l'OM, que c'est son rêve, etc. Belmadi aussi. Il l'a jamais totalement caché, il a toujours dit que c'était un objectif en soi, même si c'est vrai que quand il était en Algérie, il avait un petit peu cette réserve par rapport à ça, parce qu'il était sous contrat avec la sélection algérienne. Mais là actuellement, pour Belmadi, c'est acté, on sait très bien qu'aujourd'hui, il veut entraîner Marseille. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, je me pose la question, les gars. Est-ce que ça serait vraiment une mauvaise idée Moi, je vous dis, les gars, ça peut s'entendre. Ça peut s'entendre. Quand tu vois que du côté de Marseille, t'as tout essayé. Coach étranger coachs français des coachs qui ont prouvé à l'international des coachs qui ont un peu moins prouvé des fois tu vas chercher même euh, euh, certains, certains coachs argentins, espagnols, portugais juste par, pour, leur pour leur nationalité alors qu'ils ne sont pas forcément, sont pas forcément des, des coachs de classe mondiale je pense à un Marcelino par exemple ou Michel à l'époque aussi le mec il est passé par le Real euh, il a entraîné quelques clubs en Espagne et tout ça ah, ça y est, ça l'a accueilli à Marseille comme si c'était le nouveau, le nouveau Goriola. Alors que vraiment, on a tous vu ce qui s'était passé. Et ça pour, pour plusieurs coachs comme ça. Et là, malheureusement, on a vraiment cette impression aujourd'hui, à Marseille et encore aujourd'hui, que ça fait confiance à un coach juste, parce, juste par rapport à sa nationalité. Que justement, un, un Marcelino, un Michel et tout ce genre de coach-là, juste parce qu'ils sont espagnols, ils ont, ils ont plus de légitimité, plus de crédibilité auprès de la direction et auprès des supporters des Belmadi ou des euh, Abiy Bey qui sont, qui sont africains tout simplement alors que justement moi je me pose vraiment la question et je me dis peut-être que c'est le moment de changer peut-être que c'est le moment de donner de la, de la chance à ce genre de coach qui, qui aime ce club qui sont passés par ce club et qui le connaissent très bien et surtout qui sont jeunes et ambitieux et c'est pour ça j'ai envie de vous dire à partir du moment où tu as fait confiance quand même à Gasset même si c'est pour 4-5 mois tu lui as fait confiance tu lui as donné les clés de cette, cette équipe de l'Olympique de Marseille après que le mec s'est fait ridiculiser en Afrique justement après qu'il s'est fait totalement humilié en Côte d'Ivoire avec ses équipe ivoirienne, et qui a montré à tout le monde et au monde entier justement qu'un jeune coach africain et qui est aminement ambitieux, il peut prouver beaucoup plus qu'un gars qui a 30 fois plus d'expérience que lui. Donc c'est là où je vous dis, est-ce que ce ne serait pas une leçon Est-ce que ce ne serait pas justement un, un signe de se dire, c'est peut-être le moment de se tourner de se, vers ce genre de profil-là Moi je vous dis les gars, ça peut se tenter clairement. Hein. À partir du moment où je vous dis, où tu as tout tenté et ça ne fonctionne pas, pourquoi ne pas tenter ça Surtout que des exemples comme ça de, ben, de jeunes coachs qui sont formés qui sont passés par le club et que juste derrière ils reprennent en charge la tête de cette équipe-là en tant qu'entraîneur, il y a beaucoup de situations où l'histoire elle s'est très très bien terminée. Mais justement, j'ai parlé du cas d'Emers de Faye, le coach de la Côte d'Ivoire qui, qui a remporté cette, cette canne justement en succédant à Gasset. Il y a certains cas... Beaucoup plus connus, comme, comme celui de Gordiola par exemple, il y a des cas comme celui de Zidane. Bien sûr aussi, Zidane, les gars, même si, voilà, on va chercher l'exemple extrême, bien sûr, les exemples extrêmes. Mais c'est clair qu'un Zidane, voilà, avant d'entraîner à Almaden, il est passé, ouais, bien sûr, il est passé par les jeunes du Real, mais juste derrière, voilà, il n'a jamais eu d'expérience en professionnel, il est arrivé, voilà, trois Ligues des Champions, les gars. Alors je dis pas, bien sûr, que Belmadi ou Ali, euh, ou, euh, ou Abibay vont prendre trois Ligues des Champions avec l'OM, qu'on s'entende bien. Mais je dis juste tout simplement que des fois, voilà, c'est peut-être la solution. Après bien sûr, si tu peux ramener un, un Jurgen Klopp à l'OM, si tu peux ramener un, un Flick, il n'y a pas de problème. Ramène-le seulement, il n'y a pas de problème, on regardera. Mais d'un autre côté, on sait très bien que ça va être compliqué au bout d'un moment d'aller chercher ce genre de, de nom prestigieux. Donc à défaut d'aller chercher ce, ces noms-là, quitte à aller chercher un Tokar juste parce que il a un passeport espagnol, un passeport argentin ou un passeport portugais... Ben autant faire confiance à certains, certains coachs qui sont passés par ce club en tant que joueurs, certains coachs qui ont prouvé en tant qu'entraîneur ou en tant que sélectionneur, et ça même s'ils sont africains. C'est pour ça que je vous dis, personnellement, Abibé et et m'a dit, c'est pas si bête comme ça comme il dit, je vous le dis. L'un ou l'autre, hein, bien sûr, je dis pas les deux en même temps, mais l'un ou l'autre. C'est des coachs qui ont prouvé dans leur jeune carrière, qui ont déjà fait des très bonnes choses. Même si Abibay Bey s'est moins expérimenté, mais déjà voilà, il a, il a eu des très bons résultats avec le Red Star, quand même. Faire monter cette équipe du Red Star en, en Ligue 2, c'est quand même un exploit retentissant, c'est quand même un exploit énorme, ça fait longtemps que je, il me semble que cette équipe euh, du Red Star attendait ça. Pareil pour Belmadi avec l'Algérie, on ne présente même plus ce qu'il a pu faire. Une CAN 2019, record d'invisibilité euh, qui, qui a été battu en Afrique, voire même un record d'invincibilité mondiale qui a failli être atteint. donc celle-là que je vous dis, voilà, qu'est-ce que ces coachs-là ont de moins qu'un Marcelino Qu'un Mitchell, qu'un Igor Tudor, ou voire même qu'un Villas Boas, j'ai envie de vous dire, les gars. Voire même qu'un Villas Boas. Pour moi, Villas Boas, son seul palmarès, c'est que c'était la, l'adjoint de, de Mourinho. Tout simplement, les gars. Mais aujourd'hui, vous allez en Angleterre, Villas Boas, c'est considéré comme un tocard. Vous allez euh, au Portugal, je pense moins, bien sûr. Mais voilà, c'est pas pour rien qu'il a du mal à trouver des clubs de prestige, lui aussi. Donc c'est pour ça que je vous dis, allez chercher des grands noms, c'est bien. Il a pas de problème quand tu peux. Pourquoi pas Mais quand tu peux chercher des noms un petit peu moins huppés, mais qui ont prouvé autant dans leur carrière, qui ont le même palmarès, voire un meilleur palmarès, moi, moi je dis pourquoi pas Et c'est pour ça que je vous dis peut-être par rapport à Bay, c'est peut-être un petit peu trop tôt, c'est vrai, mais pour Belmadi par exemple, moi je pense que c'est un choix qui est complètement cohérent. Alors ça peut pas être un choix ridicule, ça peut paraître une très mauvaise idée quand on retient justement la fin du passage de Belmadi avec l'Algérie. Le mec, c'est vrai qu'il s'est un petit peu rendu ridicule, il a un petit peu sali son, son image avec euh, ces derniers mois, avec la sélection algérienne. Quand on se rappelle que le mec, il, il était focalisé sur l'arbitrage, il était dans euh, le complotisme, la théorie du complot autour de la CAF, autour de l'arbitrage et tout ça. Il était plus dans cet aspect-là que dans l'aspect sportif. Donc c'est vrai que malheureusement, ça l'a un petit peu sali, ça l'a un petit peu décrédibilisé. Mais ça n'empêche pas que le bilan de Belmadi, que c'est en Algérie ou même avant son passage en Algérie, quand on se rappelle de ce qu'il a pu prouver en, en Asie... Il a fait des grands choses en Asie. Aujourd'hui, c'est un grand nom. Il est hyper respecté au, au Qatar, par exemple. Et surtout, voilà, bien sûr, sur ce qu'il a fait en Algérie, les gars, sur ce qu'il a fait en Afrique, pour moi, je vous dis, aujourd'hui, Ben Madi a, a montré que c'est un coach, malgré tout, malgré sa fin compliquée avec l'Algérie. Les gars, quand même, il va il va ramener la première canne de l'Algérie depuis euh, depuis 20 ans. Il va ramener la première canne du pays, tout simplement, à l'extérieur. Ça aussi, c'est des choses à prendre en compte. Et ça, pourtant, il y en a plusieurs qui ont essayé. Des coachs expérimentés, des coachs avec des grands noms, des coachs avec des moins bons noms, des coachs, des coachs espagnols, des coachs français, des Gourcuf, des Vailagic. Il y en a plein qui ont essayé, les gars. Il y en a énormément qui ont essayé, il n'y a que Belmadi qui a réussi. Donc ça aussi, ça prend en compte. Des coachs qui ont réussi à en Ligue 1 n'ont pas réussi à faire ce que a fait Belmadi avec la, la sélection algérienne. Donc là, ça peut montrer à quel point, voilà, aujourd'hui, c'est un, un coach qui peut clairement être cohérent pour, euh, pour l'Olympique de Marseille. Après, bien sûr, je ne vais pas vous cacher que moi personnellement, j'espère que ça soit le cas. J'espère qu'un coach sénégalais, qu'un coach algérien, qu'un coach euh, marocain, un jour puisse réussir dans un club euh, en Ligue 1, en Liga, en Première Ligue en Premier League, par exemple. Pour moi, ça serait révolutionnaire pour le football africain. Donc c'est pour ça que, bien sûr, peut-être plus que certains, j'ai envie d'y croire. Après les gars, bien sûr que c'est pas du bénévolat. Bien sûr que, voilà, on n'attend pas que l'OM engage un, un Africain juste pour euh, le plaisir de Juste pour le plaisir d'engager un Africain. Non, bien sûr que, moi je vous dis, quand je vous parle d'un coach plutôt comme, euh, comme Bell a dit, moi je pense vraiment que c'est un coach qui peut, être, euh, qui peut être cohérent. Surtout ce que je souligne vraiment, c'est que l'OM a tout essayé. L'OM a absolument tout essayé et ça fonctionne pas. Donc pourquoi pas essayer comme ça Pourquoi pas essayer cette, cette solution-là Un petit peu comme euh, l'Olympique lyonnais d'ailleurs. Regardez l'Olympique lyonnais, qui aurait imaginé que celui qui allait réussir à redresser cette, cette, cette équipe euh, lyonnaise, celui qui allait peut-être donner. Une saison historique à cette équipe de, de Lyon. C'est tout simplement un, un gars de la maison qui est pierre sage, tout simplement. Personne n'aurait cru en lui au début. Personne n'aurait cru en lui. Et pourtant, regardez ce qu'il a fait aujourd'hui. Ce qu'il a fait aujourd'hui avec l'OL, c'est historique, les gars. C'est historique. En plus aussi, il faut dire une chose. C'est qu'avec ce genre de coach, tu as un avantage qui n'est pas négligé. C'est l'avantage financier aussi. C'est sûr et certain que quand tu vas chercher un, euh, un Belmadi ou un Abibay ou des choses comme ça, tu vas débourser moins au niveau du salaire que si tu engagé un Paulo Fonseca par exemple. Tu vas moins déverser, tu vas beaucoup moins déverser aussi que si tu vas chercher un compte Sao. Ah ça c'est sûr et certain. Tu vas chercher un compte Sao, par exemple, qui aujourd'hui va te coûter très cher au niveau du, au niveau du salaire, t'es même pas sûr que ça réussisse. Il y a là le problème, tout comme avec d'autres coachs, comme Saint-Pauli à l'époque, ou des coachs comme ça, avec qui ça n'a pas réussi tellement que ça. Même si pour Saint-Pauli, il faut dire que c'était pas, pas le pire, il faut le dire. Le, le bilan globalement était assez positif. Mais bref. Donc voilà, tout ça pour dire qu'il y a aussi cet aspect financier qui n'est pas bien sûr du tout à négliger. Et ça minimise aussi le, le risque à ce niveau-là. Donc euh, à voir. Je, franchement, j'ai hâte en tout cas de voir le, le, prochain, le prochain entraîneur de Marseille. Et peut-être pourquoi pas on aura enfin l'occasion de voir un entraîneur africain coacher une grande équipe de Ligue 1. C'est ce qu'on espère en tout cas. On aura l'occasion d'ailleurs d'en parler en live, de débattre là-dessus. Euh, les supporters de Marseille, vous êtes les bienvenus si euh, vous n'êtes pas d'accord avec moi, si vous voulez échanger avec moi ce sujet-là. Et sinon, on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Et surtout d'ici là soignez vous.